De là où l'en légère baisse et du vent faible et variable entre midi et 2 sur la Canon. Rebonjour à toutes et à tous, on a un temps qui est couvert mais sans pluie. Il peut pleuvoir, il ne pleut pas, la température extérieure est à 10 à 18, la température de l'eau est à 16. Cet après-midi, un temps possiblement orageux, température à 18. La marée, elle est actuellement en train de monter, le plein haut est à 15h40 avec des coefficients de 50 plus 4. Et sur cette marée qui monte, le vent est faible et variable. Or, j'ai filmé de 10h jusqu'à midi 10. Donc au début de la vidéo, c'était offshore. À la fin de la vidéo, le vent hésitait, il passait légèrement on, légèrement off, et il faisait comme ça, là, il faisait la biscouette. Mais moins d'un beaufort, donc le plan d'eau est lisse, les phases de vagues sont lisses, là où l'était le propre, moyenne à longue de 9 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest, c'est une houle qui est quand même en légère baisse par rapport à ce matin, ça s'essouffle, il y a la même taille, mais moins de fréquence. Alors la boue Arcachon-Gascogne nous a donné pour le début de la journée 1,40 et 8 secondes, pour la mi-journée là c'est 1,40, 1,30 et 8 secondes, et en termes de taille de vague, bah, ça fait 50-80 cm en déferlement régulier, 1 mètre sur la majorité des séries, il y a encore 1,20 m sur les grosses 7, mais un peu plus rare, un peu plus espacé. Là au début, là, la marée était basse, elle commençait à monter, il y avait des vagues assez creuses. En fin de vidéo, vous allez voir, les vagues, elles sont devenues molles. Donc ça arrive à dérouler. C'est une des meilleures matinées de la semaine, mais c'est un peu moins bien qu'en milieu de matinée maintenant, parce que les vagues sont molles, elles se traînent un peu, ça arrive à dérouler un peu, à ouvrir. C'est facile d'accès, c'est pratique pour des surfeurs intermédiaires à plus. Il y a de quoi glisser, mais ça vaut la moyenne, là. Ça vaut 2,5 sur 5. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde à l'eau et des zones de compète un peu partout, quoi. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va s'essouffler. La boue Arcachon-Gascogne pour la fin de journée nous donne du 1,40 et 6 secondes. Pour ce qui est du vent, il va rester faible et variable, plutôt onshore sur la fin de marée montante. Et normalement, à la bascule de la marée sur le descendant, le vent devrait se renforcer au nord-nord-ouest. Les prévisions à 17h, c'est 80 cm à mètre, voire un bon mètre. Houle ouest-nord-ouest à ouest, 9 secondes de période, vent de nord-nord-ouest, 3 beauforts, peut-être 4. Ben, le meilleur créneau ce matin, encore bon ce midi en début d'après-midi, et le plus mauvais créneau, il devrait être en fin d'après-midi. Tout cela à prendre avec un indice de confiance faible, car on devrait avoir des orages cet après-midi qui semblent pas monter là pour le moment. Ils doivent être dans les terres, et sous les orages, le vent peut varier. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 et 92 29 78 73 à 14h, 16h et 18h. Un bon dimanche. Bon, mais nickel, impeccable.
de quoi surfer pour les surfeurs qui l'en veulent. Mais il faut se mettre dans les zones où il n'y a pas les compètes. Et